Le tribunal de première instance de Bingerville, d'un coût de plus de 6 milliards de francs CFA, et le centre d'observation des mineurs de Bingerville également, d'un coût de plus d'un milliard de francs CFA, deux infrastructures judiciaires construites dans le cadre du programme Contrat de désendettement et de développement justice, ont été officiellement inaugurées le mercredi 13 décembre par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est à la justice constitue un droit fondamental pour tous. C'est pourquoi le président de la République, le président Salassane Ouattara, profondément attaché à l'état de droit, et plus de justice et d'équité, en a fait un acte prioritaire de la politique gouvernementale depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, a invité le personnel de ces établissements judiciaires à travailler avec intégrité. Mesdames et Messieurs, le renforcement de l'état de droit, il fait au rang des priorités de son excellence, Monsieur le président de la République, Bassam Ouattara, et du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, ces dernières années, importantes ressources financières ont été mobilisés pour améliorer le fonctionnement du système judiciaire, faciliter le travail des sénateurs et rapprocher la justice de nos concitoyens. Les ouvrages opératifs du projet de justice mis en œuvre sont le cadre du contrat de désendettement et de développement signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Ce partenariat exemplaire, lancé en 2014, a permis de renforcer l'offre de services publics de la justice, d'améliorer l'accès de la population ivoirienne à la justice et de contribuer à la protection et à la promotion des droits de l'homme. Rappelons que la République de Côte d'Ivoire et la République française ont signé deux contrats de désendettement et de développement qui a conduit à la construction de plusieurs infrastructures, dont ces deux établissements de justice.